de la Provence, dans le Vaucluse, entre nature préservée et patrimoine, se cache une rivière à la richesse exceptionnelle nommée la Sorgue. Entre surpopulation de canoës et brigades de défense de la rivière, comment le territoire protège-t-il cette rivière qui fait vivre toute une région? Et à quel prix? Enquête autour d'une des plus belles rivières de France, la Sorgue. C'est ici, à Fontaine de Vaucluse, que la Sorgue prend sa source. Ce petit village de 600 habitants, situé au cœur des monts du Vaucluse, est le point de départ d'une des plus belles rivières de France, la Sorgue. S'écoulant de Fontaine de Vaucluse jusqu'à Avignon, en passant notamment par la ville de Lille-sur-la-Sorgue. Au pied d'une falaise de 240 mètres, où la source jaillit de la roche, qui constitue une vallée close, Vallis closa, en latin, qui est à l'origine du nom du département. Nombreux sont les visiteurs qui, toute l'année, viennent contempler ce phénomène naturel presque unique au monde. Rencontre avec Vincent Rivoire, un ambassadeur de la Sorgue, pour nous parler de ce gouffre et de cette rivière. La Sorgue est une rivière très particulière. C'est un joyau. On a la chance d'avoir cette rivière ici en région méditerranéenne. Là, sur la Sorgue, on a un cours d'eau qui est permanent tout au long de l'année, même si on a quand même un débit qui varie de 4 à 120 mètres cubes secondes. Retour en arrière en novembre 2016, pendant les périodes pluvieuses où le spectacle est tout autre. Autre spécificité de la rivière, déjà c'est une rivière qui sort d'un gouffre, donc c'est une exurgence. Donc c'est la deuxième plus grande exurgence naturelle d'Europe. Et ce gouffre a attiré de nombreux explorateurs, il y a eu de nombreuses plongées, l'Italien Ottonelli, l'Allemand Hasselmeyer, le commandant Cousteau, Nicolas Hulot, voilà, plein d'explorateurs qui sont venus. Donc c'est vrai que c'est une richesse, et cette richesse a permis le développement du territoire. Et au fur et à mesure, on est descendu jusqu'à 308 mètres, donc c'est un robot qui est descendu à 308 mètres de profondeur. Et là, en bas, on arrive sur la roche. En fait, au-dessus du gouffre de Fontaine de Vaucluse, on a un impluvium, donc un bassin versant, qui fait 1100 km², donc qui part de Fontaine de Vaucluse, qui va jusqu'à la montagne de Lure, qui s'arrête au pied du Ventoux et au sud, au pied du Luberon. Et toutes les eaux qui tombent sur ce massif calcaire s'infiltrent dans la roche et ressortent à un point unique à Fontaine de Vaucluse. Suivons maintenant le cours de la Sorgue pour voir comment l'homme a exploité cette richesse. On arrive sous un aqueduc construit en 1857. Sous cet aqueduc, les canoës sont rois sur la rivière.
Rencontre à Kayak Vert avec Michel Mélanie, le premier à avoir créé une descente en canoë sur la Sorgue. Un jour, j'ai eu l'idée donc de créer une visite des Sorgues. Car depuis tout petit, à l'Isle-sur-Sorgue, j'ai eu cette chance de naître à l'Isle-sur-Sorgue. Et un jour, je me dis, tiens, c'est un ami à moi de Paris, les cadeaux que je faisais à mes amis, c'était une descente avec mon aiguetching de la rivière. C'était un cadeau que je leur faisais. Et tout le monde me disait, mais Michel, mais tu habites un paradis et tout ça. Et ça. Moi, j'en étais conscient. Mais enfin, ça fait du bien aussi que les gens te rappellent que le paradis est sur terre, aller sur Sorgue, sur la Sorgue. Voilà. Expliquer aux gens comment diriger un aiguetching et tout, c'était très compliqué. Tandis qu'un canoë, il y a une petite initiation à faire, c'est beaucoup plus facile et tout. Pour préserver la rivière, une nouvelle charte va être instaurée pour limiter le nombre de canoës du 15 juillet au 15 août. Il y a une charte qui doit être réétudiée un petit peu, parce que nous avons eu, il y a une petite anarchie qui s'est créée, mais enfin, tout le système, personne n'a rien dit, et donc aujourd'hui, naturellement, nous trouvons devant le fait accompli, certainement d'une surpopulation, mais je ne veux pas être le dindon de la farce, car mon entreprise a toujours été réglo, des terrains commerciaux, je ne peux montrer tout à tout le monde, voilà. Mais je ne veux pas être le dindon non plus. Alors il va y avoir, la charte va être réétudiée, une charte que nous avons fait, que nous avions étudiée il y a une vingtaine d'années, là elle va être réétudiée, voilà, à la demande de certains pêcheurs, je dis bien certains pêcheurs. Ils vont compter le nombre de canoës. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Comme c'est des gros malins, ils nous ont réunis, ces gros malins, au mois de fin mai, pour mettre en route la nouvelle charte pour la saison. C'est du comique, du haut comique. Je ne sais pas qui profite le crime, mais en fin d'attendant, je pense que l'intelligence aurait été de créer ça en fin de saison dernière, ou alors, voilà. Mais alors je ne sais pas à qui profite le crime, mais enfin nous réunir avec, voilà, donc tout se discutera, mais je ne suis plus au courant de plus rien, voilà, mais je défendrai mon os. Donc la Sorgue a aussi d'autres spécificités, donc on a une rivière qui est fraîche tout au long de l'année, donc on a une cours d'eau qui est autour de 13 degrés tout au long de l'année. Donc pareil, c'est une température constante, voilà, en été comme en hiver. Donc ça, c'est, voilà, c'est un milieu qui est du coup favorable pour les poissons. Donc ça, c'est dû du fait que vu qu'on a un gouffre, l'eau passe un séjour de 2-3 jours dans la roche calcaire, du coup se rafraîchit. Et du coup aussi, cette eau est très claire parce qu'elle est filtrée par cette roche avant de sortir à Fontaine de Vaucluse. Pour la préserver, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a de nombreux intervenants sur le secteur, que ce soit aussi bien au niveau des collectivités locales que des associations qui se mobilisent. Donc c'est vrai que l'été, il y a eu, pendant plusieurs années, il y a eu des patrouilles mixtes, des patrouilles de reconnaissance sur le terrain. Donc c'était des patrouilles qui étaient composées par des ambassadeurs de la Sorgue, avec des gardes-pêche. De temps en temps, des policiers municipaux et des gendarmes qui venaient aussi accompagner ça pour aller sur le terrain, pour aller à la rencontre des usagers, pour voir réellement ce qui se passait et sensibiliser les usagers sur le terrain. Aujourd'hui aussi, maintenant, depuis 2 ans, la municipalité de l'Isle-sur-Sorgue a mis en place des brigades de la Sorgue. Donc ça, c'est des brigades qui ont sur l'eau aussi, en canoë. Et là, c'est des policiers municipaux avec des gardes-pêche, donc des personnes assermentées qui naviguent durant la période estivale. Pareil, dans le même but, pour sensibiliser et, s'il faut, pour pouvoir réprimander aussi les contrevenants. Alors, autre problématique qui est souvent aussi relevée, c'est les canards dans la rivière. Alors, on a des canards colverts aujourd'hui dans la Sorgue. Alors, c'est vrai que si on remonte, a priori, une cinquantaine d'années en arrière, on n'avait pas ces canards dans la Sorgue. Alors, pareil, est-ce que ces canards sont bons ou pas bons pour le milieu? Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, que ce soit au niveau faune, flore ou même utilisation de la rivière. Je veux dire, je ne pense pas qu'il faut enlever tous les canards ou il faut enlever toute activité humaine sur la rivière pour la préserver. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a des activités humaines, il y a des canards. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer c'est le mieux vivre ensemble. Voilà, les canards sont là. Ben, oui, il faut éviter que ça se développe encore plus, c'est sûr.
Mais aujourd'hui, les canards n'ont pas qu'un effet négatif sur le cours d'eau. C'est un écosystème. Donc on a la chance d'avoir beaucoup d'activités humaines. Je pense que c'est une richesse pour le territoire. Bien sûr, quand on parle de rivière, on a tendance à penser de suite au canoë, à la navigation de canoë. Chose importante sur les territoires, parce qu'il y a une activité de loueurs professionnels qui travaillent et qui font vivre aussi le territoire, qui font vivre le territoire, qui développent l'activité touristique et l'offre touristique sur notre territoire. Pour naviguer sur la Sorgue, il y a une réglementation sur la navigation. Il y a une navigation qui est autorisée sur la rivière, mais voilà, il y a une navigation, mais une réglementation. On ne peut pas naviguer tout au long de l'année n'importe quand. Un peu dans le même esprit que la réglementation sur la pêche, il y a des périodes où on a le droit de naviguer. Ici, c'est une grande plaine marécageuse, donc du coup, il y avait des endroits de marécage où il n'y avait pas beaucoup d'eau, et on avait donc besoin de cette barque à fond plat pour pouvoir se déplacer dès 20 cm d'eau. On n'a pas besoin d'énormément d'eau pour pouvoir se déplacer. L'avantage de ce bateau par rapport aux autres embarcations, c'est qu'il glisse littéralement sur l'eau. Rencontre avec Alain Préteau, l'un des derniers fabricants de ces barques traditionnelles, utilisées par les pêcheurs depuis le XVIIIe siècle. Quand nos ancêtres, les pêcheurs, se sont installés au bord de la rivière, il leur fallait un outil de travail pour se déplacer sur la rivière. Donc on peut imaginer qu'ils ont commencé à réfléchir à quelque chose qui puisse flotter et les faire promener. Ils se faisaient faire des bateaux et quand ils utilisaient le mot négotine, c'est qu'il y avait une malfaçon. Le bateau, il n'était pas bien fait, il y avait quelque chose. Donc ils disaient « il juste boom per négaline », c'est juste bon pour noyer un chien. Négo, en provençal, noyer, ching, les chiens, noix, chien. Donc c'était un instrument de travail. On l'utilisait le soir pour les poser les pièges. Et le matin, au lever du jour, nos ancêtres les pêcheurs retournaient au bord de la rivière, tiraient un filet, une nasse, tous les pièges qu'ils avaient pu poser la veille. Nous, à l'heure actuelle, on ne l'utilise plus comme un outil de travail, mais c'est plutôt un instrument de loisir. On se promène en famille sur la rivière, où la confrérie des pêcheurs continue à faire une démonstration de pêche à l'ancienne, la pêche d'antan, pour faire voir et perpétrer le geste aux Lillois, aux néo-Lillois, et bien sûr, et aux voyageurs, aux estivants qui sont de passage sur la ville. Moi, j'en construis un à deux par an pour des copains, des amoureux de la rivière, des membres de la confrérie ou des riverains, mais à des personnes qui ont quand même le tissu et l'amour de la rivière. Le bois, les planches principales, le fond et les côtés que l'on appelle les cantiers, c'est fait avec de l'épicéa, c'est un résineux. Et puis les parties de renfort, donc les bouts, c'est des turtes, et les parties en bois sous les flèches métalliques, on appelle ça des sous-flèches, qui sont faites à l'époque avec des essences un peu locales, frêne, hêtre, et maintenant on utilise des essences exotiques qui se tiennent correctement à l'eau, en sachant qu'un bateau bien entretenu, il peut avoir une durée de vie jusqu'à 20 ans. Le bateau, il fait 5 mètres, il y en a qui font un peu plus court, voire un petit peu plus long, mais la dose, c'est 5 mètres, et la largeur dans l'axe est variable entre de 54 à 58, 57, 58 cm. Quand la promenade est finie, ou éventuellement, je veux dire, notre démonstration de pêche ou autre, on le coule afin que le bois reste bien gonflé pour éviter les voies d'eau et qu'il sèche au soleil, parce que quand il fait très chaud l'été, le bois en plein soleil, le cagnard, là, comme on dit chez nous, la tendance est de le faire sécher à l'extrême, et le bois il se fend. Donc en le laissant immerger, le bois reste bien gonflé, et on évite ses soucis. Ça se mène avec une perche, donc une perche que l'on appelle une partègue, en langue provençale, ça veut dire que le barreur est droit dans son bateau, à l'arrière, il pique au fond du cours d'eau, et il pousse. Quand il a poussé, il rectifie un peu son tir, il repique, il pousse et ainsi de suite pour faire avancer son bateau. Alors il y a les courses de bateaux qui sont organisées par le club et ils ont leur activité juillet et août. Tous les soirs, ils accueillent du monde et pour faire de l'initiation. Et ils prennent des gosses déjà même en bas âge pour commencer à leur donner le goût au bateau, bien sûr, les sensibiliser aux soucis de la rivière et qu'en grandissant, ils soient respectueux. Direction à présent l'île sur la Sorgue pour découvrir comment cette ville
qui est aussi appelée la Venise provençale, tire sa notoriété et son attractivité touristique de la rivière. Rencontre avec Marie Châtelain, la directrice de l'Office du tourisme de l'Isle-sur-la-Sorgue. Alors ici, on est au Pays des Sorgues. Le Pays des Sorgues, c'est bien évidemment un pays qui est entouré d'eau et qui est sur l'eau. Tous les villages sont construits sur la Sorgue. Et la Sorgue, donc, s'écoule de Fontaine de Vaucluse jusqu'à Avignon, en passant par l'Isle-sur-Sorgue. Donc, une petite ville, comme son nom l'indique, construite sur l'eau. C'est une île qui est entourée de canaux. Donc, petite bourgade de pêcheurs qui est devenue au fil des années très prospère, notamment grâce à l'eau et aux moulins. Les moulins qui sont sur la Sorgue, il y en avait 62 hein, à partir du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Ces moulins qui étaient des moulins à farine, mais surtout des moulins à garance, des moulins à laine et des moulins à soie. Donc petite ville, petite bourgade de pêcheurs qui est devenue ensuite une ville industrielle très importante. Donc la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue a toujours été une ville prospère et est devenue la deuxième ville de France de l'Antiquité. 350 antiquaires ouverts tous les week-ends. Donc on peut venir chiner, flâner, découvrir les villages d'antiquaires, ces regroupements de villages. Et puis le jeudi et notamment le dimanche, un très grand marché, le marché provençal, qui se situe autour des canaux, autour des roues, dans le centre-ville jusqu'à la collégiale. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, toutes nos manifestations sont sur l'eau. Alors, on a bien évidemment un corso, comme dans toutes nos villes voisines, hein, comme en Provence, le corso, c'est normalement sur des chars. Ici, les chars sont sur l'eau. Donc c'est magique, hein, c'est extraordinaire. On a plus d'une dizaine de chars qui défilent deux jours de suite sur des thématiques. Ça s'appelle le Corso Nautique Féerique. C'est la nuit, c'est illuminé, il y a une bataille de fleurs, c'est vraiment formidable. Et puis c'est au bord de l'eau, donc forcément ça pose un décor extraordinaire. Pour continuer, on a quelque chose qui attire effectivement beaucoup aussi, c'est notre marché flottant. Alors, on n'est pas en Thaïlande, on est bien à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et c'est sur l'eau, donc on fait un marché provençal sur l'eau. C'est l'occasion de vendre nos produits de terroir. On a aussi des courses de négocin tout l'été. On a les joutes. Là encore, c'est assez insolite parce qu'il y a très peu d'endroits en France où on pratique ce sport. Et donc le patrimoine de cette ville est la Sorgue, bien entendu. La ville de l'Isle-sur-la-Sorgue en a bien conscience, et la communauté de communes du Pays des Sorgues aussi. Donc elle est extrêmement protégée. Il y a une brigade donc, de la communauté de communes avec des ambassadeurs de la Sorgue. Donc une équipe de 8 personnes qui tout au long de l'année, donc c'est des postes permanents tout au long de l'année, qui travaillent pour entretenir ce cours d'eau. Donc ils s'occupent, bien sûr, ça va de la tonte au débroussaillage, à la plantation d'arbres, mais aussi tout le travail de nettoyage de la rivière, d'entretien de la rivière. Principalement, Fontaine de Vaucluse, Lille, et juste en aval de Lille. Après, effectivement, la qualité de l'eau est moindre, il y a l'impact humain aussi, il y a des bras de sorgue qui sont assez, je dirais, pollués. Oui, pollués d'une certaine façon, par des canettes, des bouteilles, du plastique, des détritus que les gens envoient à la rivière.
ce qui est inacceptable à l'heure actuelle. On continue le cours de la Sorgue, dont un de ses bras s'écoule jusqu'à Avignon, où là encore, le seul bras qui traverse la cité des papes est très pollué par divers détritus. La Sorgue s'écoule dans une des rues les plus connues du centre-ville d'Avignon, la rue des Teinturiers. Et pour finir, cette petite rivière à la beauté sans nom finit sa course dans l'immense lit du Rhône. L'eau, c'est la richesse du 21e siècle. L'eau, c'est le respect. Quand tu penses que tu as des femmes qui font des dizaines de kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau sur la tronche, et qui en crève des fois, si tu respectes pas ça, voilà. Alors, maintenant, nous, on a cette richesse extraordinaire. Ne pas se baigner, par exemple, c'est le premier critère. Hein. Donc, évidemment, c'est tentant, on a chaud, on a envie d'aller se baigner. Il faut savoir que la Sorgue est à 13 degrés toute l'année. Donc déjà, ça rebute un peu. Et puis surtout, il ne faut pas du tout la fouler, il ne faut pas mettre les pieds dans l'eau parce que ça abîme énormément l'écosystème et toute cette faune et flore très très riche. Et donc là encore, il faut l'expliquer, il faut le faire comprendre pour ne pas donner envie d'aller se baigner et surtout de détruire ce beau patrimoine qui est très fragile. C'est vrai que voilà, on a une rivière qui est magnifique, mais bien sûr le tableau est idyllique. Hein, on a la plus belle rivière de France, hein, faut pas se cacher. Mais à côté de ça, il y a des progrès à faire. Hein. S'il y a des nettoyages de la rivière qui sont organisés, c'est parce qu'il y a besoin de la nettoyer. Alors préserver la belle rivière, le message, qu'il n'y ait pas trop de cons, d'extrémistes qui veulent tout pour eux et qui voilà, de respect, mais tout ça, c'est la mission de certaines personnes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire il y a quelques années en arrière. La mission, c'est de la respecter bien sûr le maximum, que les pêcheurs, que les canoës, le tourisme, que tout le monde soit en parfaite harmonie et conscient de l'enjeu, mais étant le précurseur de cette histoire, c'est moi qui ai créé ces descentes de rivière. Je pense que certains n'ont pas pu le faire avant moi, donc ils m'en veulent un petit peu. Je pense que c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Aujourd'hui, j'ai été très fier et très heureux de représenter mes origines, mon patrimoine, ma région, ma rivière. Car toutes les actions que j'ai faites, je vois aujourd'hui que le tourisme est devenu important dans notre région. On sensibilise, mais ce n'est pas tous les gens qui perçoivent le message. Hein. Et puis c'est si simple d'être au bord de la rivière, de boire une canette ou de manger un sandwich et jeter son papier gras. Alors que les ordures sont ramassées tous les jours dans les communes riveraines. Je ne vois pas. Après, c'est les personnes qui ne sont pas respectueuses de cet environnement et qui est un joyau. Mais est-ce qu'ils en sont conscients? J'en doute.